Bonsoir, j'en suis Willy, et on se trouve pour l'épisode 28 de notre Let's Play sur Zelda Breath of the Wild. Dans l'épisode précédent, nous avions escaladé la tour d'Ordine pour avoir toute la carte de cette zone très montagneuse. Puis nous avons parcouru toute cette route pour arriver au village Goron. C'était pas mince à faire, on a failli mourir plusieurs fois, on a cramé et tout. Mais on a plutôt bien réussi, on s'en est sorti, nous sommes vivants, nous sommes victorieux. Et maintenant, il faut trouver le sanctuaire pour être sûr de ne pas perdre la position. Sanctuaire qui se retrouve très proche d'ici, mais je ne sais où. Peut-être il est en hauteur. Il est par là, ce qui paraît. Attendez, il y a un truc d'air là. Je vais pouvoir peut-être voler. Ouais. Faut que je passe au-dessus des montagnes. 100% c'est au-dessus. Hop. On va y arriver. D'ailleurs, je n'ai pas mis mon timer. Sinon, dans cet épisode, on va explorer un petit peu la ville. Et peut-être retourner en arrière pour choper quelques minerais. Parce que on se fait pas mal d'argent, mais on peut s'en faire beaucoup plus. Et vous savez, comme moi, qu'on a besoin d'énormément d'argent pour acheter les armures. Pour s'acheter des matériaux aussi. Et pour améliorer notre maison. Du coup, d'abord, je vais ici choper ce sanctuaire et après, on fera un aller-retour là-bas et il faudra qu'on aille à les limites aussi. Parce que j'ai de quoi améliorer mes modules. Et là, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Alors, il n'y a pas un sanctuaire ici ? Ah ! Il est là. J'ai bien fait d'avoir pris de la hauteur. Le sanctuaire de Shimo Itose. Ok. Hop. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Shimo Itose te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Flamme vacillante. Ok. Je vois, il faut des flèches de feu pour ça. Mais... D'accord, oui. Bah non, mais il brûle. Oups. J'ai pas de flèche de feu, donc... Mais non. Ouais, bah ça ne m'aide pas. Ça non plus. Ok. On va peut-être manger un petit peu parce que je n'ai plus de vie. D'ailleurs, mes réserves de bouffe ont bien morflé. Hop. Voilà.
Première épreuve terminée. Hop, je chope ce coffre. Brise Rock, cette épée a été forgée à partir de métaux rares extraits aux alentours du village Goron. Sa pointe massive et son poids permettent de pulvériser les ennemis. Je vais le prendre. Au lieu de ça, parce que c'est un peu pourri. Ça me servira pour briser les rochers aussi. Mais elle est stylée, non? Ouais, elle est bien classe. Ok. Des mini gardiens. Vas-y, tape. Ok, il y a un troisième. C'est bon. Ils sont tous les trois morts. Ouais, plus pété que ma hallebarde. Donc on le garde. Il y a un deuxième coffre ici. Et donc c'est généreux. Un rubis. Je vois. Et à skip, il y a encore des coffres. À ce qu'il paraît. Un coffre. Des flèches de glace. C'est pas fini, dis donc. Il y en a encore un là. Mais c'est fermé. Non, je peux pas les transporter les coffres. Là, il me faut une sorte de clé. Réfléchissons. Il y a peut-être un petit truc caché ici. Je vois ce que tu me demandes, le jeu. Là, faut que j'actionne l'interrupteur qui est là. Ça ouvre le chemin. J'ouvre ce coffre. Avec une petite clé. Je suis enfermé. Mais je peux me casser. Du coup maintenant faut que je retrouve l'autre côté. Allez, je peux grimper là. Qu'est-ce qui se cache? Où est la petite clé? Enfin, où est la serrure de la petite clé? C'était là-haut, hein. Je crois que c'était vraiment le plus haut possible. Ouais, c'est là. Hop. C'est bon.
Mais non, mais... Ah! Bah alors. Au pire, je m'embête pas et je fais ça. Ok. Du coup, bah je m'embête pas et mon arc est cassé. Bah j'ai pas de flèche de feu, alors à moins que je dise une flèche explosive. Voilà. Parce que bon, c'est chiant. Mais en plus ça a commencé à être la crise niveau flèche, faudra que j'en rachète plein. J'ai tous les coffres et on a fini. Bon, il était vachement long ce donjon, mais c'est pas grave, hein, c'est... Il en faut de tout type. Ça nous fait 5 emblèmes de triomphe, je crois. Oui, ça nous en fait 5. On va s'acheter un cœur en plus. Ah oui, mon arc crame. Voilà. Bon. Ah, un Illien. Qu'est-ce que tu vas faire par ici? Tout ce qu'il y a par là-bas, c'est une mine abandonnée et des monstres. C'est bien trop dangereux. Ok. On va visiter un petit peu parce que, comme je vous ai dit, il faut qu'on trouve un mec avec un gros rond avec un Yé dans son nom. Et Hop là, un lézard. Il nous faut aussi des lézards. Donc c'est pour ça que je fouille un petit peu les rochers aussi. Parce qu'il doit y en avoir un peu partout. Le vieux papy, il a une quête. On va attendre un petit peu. On va visiter avant. Un rubis. Là, ils vendent de la nourriture. Flacon d'épices. On va en prendre 2. De la canne à sucre, on va en prendre. Parce qu'on pourra faire de la nourriture avec. Et moi ça m'intéresse. Des flèches de glace, bof, j'en ai déjà pas mal. Des flèches de feu par contre je vais en prendre. Voilà. Et des cristaux de sel, j'en ai 8, donc pas besoin d'en acheter. Par contre, toi, je vais te vendre des trucs. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ma boutique, le Croc-à-Brac. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Achète-moi un truc. Très bien, que veux-tu me vendre? Ok, montre-moi ce que tu as en réserve. Alors là, tu vas pas être déçu, mon gars. T'as ça, déjà. Je pourrais te vendre des trucs comme ça antiques. Genre des vis antiques. Oh mais il les achète pas cher. Bah achète-en 13. Ça sera déjà ça. Et voilà quoi, le reste je vais le garder. D'ailleurs, je pourrais m'acheter une auberge. Salut. Jeune voyageur, si ta route t'a fatigué, n'hésite surtout pas à prendre du repos à l'auberge. Non, merci. Toi, tu t'appelles comment? Rourke.
Bonjour. Ça va, toi? Eh bien, jeune voy, tu cours les jupons de si bon matin? Pas vraiment, non. Ah bon? Dommage. Qui es-tu? Je me nomme Labira. Je suis originaire des contrées Gerudo. Je suis venu m'apprisionner en pierre précieuse. Ces boules de feu n'arrangent pas dans mes affaires. Difficile de travailler dans ces conditions. Qu'y a-t-il? Tu n'as jamais vu de Gerudo? Tu n'as pas chaud? Ah, je viens de me passer un peu de remède d'Inifus. Ça fait un bien fou. Il y a un enfant qui vend des remèdes Nifus par ici. Tu ferais bien de lui en acheter. Ça peut permettre de supporter cette chaleur. Mieux vaut ne pas regarder à la dépense. Tu as raison. Bon, faut que je trouve un enfant du coup aussi. Tarok. Je t'ai déjà vu. D'ailleurs, je vais t'acheter mon casque maintenant. Ah, il manque des rubis. Attendez, hop. Non, attends. Achète-moi un truc. Faut que je lui vende avant de acheter. Ça, du coup. Prends manque 3. J'ai pas autre chose à vendre. Ouais, j'ai pas grand chose en vrai. Hein. Bon, pour l'instant, ce sera suffisant. Au revoir. On va acheter la... lui, là, le casque. 2000 rubis, allez. Comme ça, on a la full tenue. Ah, on a une rupture de stock. Il va falloir que je demande à Papy Bratan de nous réapprovisionner. Alors, de quoi on a l'air avec ça? Ah oui, quand même. C'est spécial. Voilà, je vais me contenter de mettre que le haut. Et... ah, il y a un petit là. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me veux, toi? Je suis un voyageur. Pff. Putain, il est agressif cet enfant. Il n'y a pas de statue de la déesse ici. Que peut-il bien faire? Mon agité de frangin n'est toujours pas rentré. Mais à quoi pense-t-il à la fin? Ton frangin? Bégron, mon frère adoré, la prunelle de mes yeux. Il a dit qu'il allait déterrer le secret du héros et hop là, disparu. Je ne comprends pas ce qu'il lui a pris. Où est-il allé? Au tunnel de Marpeau, au sud-ouest de l'étang de Marpeau, j'en suis sûr. La roche au fond du tunnel est si dure que nous avons cessé d'y creuser il y a bien longtemps. Je ne sais plus quoi faire de lui. Pourquoi ne sait-il pas de se rendre utile à la mine au lieu de rêver? Oh, je pourrais aller le chercher. On pourrait aller le chercher. Attendez. Journal. Bah mais tu m'aides pas. Au tunnel de Marpeau. Tunnel de Marpeau, sud-ouest de l'étang de Marpeau. Donc ça serait là. Genre quelque part là. On verra, pour l'instant je remonte un peu ma route. Comment? Oh, dis-moi plutôt, tu n'as pas trop souffert tout à l'heure avec les boules de feu? Les touristes font rare depuis que ces fichues boules de feu nous pleuvent dessus. Je m'ennuie tellement à mon poste que je m'amuse à faire semblant d'accueillir le prodige. En fait, Link, c'est le nom de l'Ilien qui a combattu il y a 100 ans aux côtés du prodige de notre village d'Arouk. Tiens, si cette histoire t'intéresse, je te conseille d'aller voir notre boss au bout du village. On ira le voir dans le prochain épisode. Aujourd'hui, ça va être épisode quête secondaire. Une autruche. Volaille fine grillée. Ah oui, tout crame ici en fait. Je peux pas trop. Bon, au moins ça me fait de la bouffe grillée, c'est pas mal. Je vais pas m'en plaindre.
Il y a un lézard. Parce que oui, je voudrais revisiter un peu la mine parce qu'il y avait beaucoup de minerais et que vu que j'ai rushé parce que j'étais en train de mourir, ben j'ai pas trop regardé. Hop là. Et de deux. Du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil. C'était pas très loin d'ici, je crois même. Ouais, c'était quelque part là. Voilà, mine du sud. C'était pas loin du tout. Et il y a un truc à demi aussi ici. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait de venir. Il y a trois coffres. On va essayer d'y aller un peu en mode ninja. Oups. Oups. Bon bah, quand faut y aller. Une queue rouge de les alphos. Évitez de manger cette queue des alphos de feu à la chair peu ragoûtante et fais-la plutôt cuire avec une grenouille. D'accord. Voilà, il mange. Hop là. Un petit peu d'action, ça fait plaisir. C'est bon, il est mort. Il y en a d'autres. Je peux pas me battre avec la Dracobat malheureusement. Aïe. Un petit peu de bouffe, s'il vous plaît. Allez, lève-toi. Oh oh. Non, 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 non. Ok. Non mais retombe pas. Ah ça me saoule ça. Attends de voir cul un peu, on va leur péter la gueule. Allez lève-toi Link. Debout, c'est pas le moment de faire la sieste. Hop, hop. Vas-y. Ah, mais avec l'autre enfoiré qui me spamme derrière. Vite, un autre bouclier. Ok, on s'en fout, on sort l'épée. Voilà. Mais... Ah. Toi, tu me saoules un petit peu.
Allez. Ah, ils sont résistants de ouf. Niveau arc, je peux jeter ça. On va le finir l'épée en feu. Voilà. Bon débarras. Bon. J'espère que la récompense en valait le coup. On a quelques bouffes, un peu de rubis. Et dans ces coffres. Casse-pierre. Ah mais je le prends aussi à deux mains. Oh c'est chiant. Bouclier de chevalier. Ça c'est bien. Topaz. Oui. Bon je dirais pas que c'était nul mais c'était franchement correct. Du coup on descend. Je récupère tout ce qui est ici. Voilà. Et il y a quelques minerais ici, donc on va se faire plaisir. On va les prendre. Et on va manger un petit coup aussi parce que j'ai pris assez cher. Voilà. Je n'arrêterai pas cet épisode tant qu'on n'est pas encore allé, tant qu'on sera pas encore allé à la mine. Et prochain épisode, on ira voir le boss et on verra pour la quête du frère du mec. Volaille divine grillée. La cuisson à la flamme ajoutée à l'absence d'assaisonnement ont fait ressortir le goût naturel de cette pièce d'exception à savourer sans retenue. Ok. Il y a un truc tout là-haut. Je suis sûr qu'il y a un truc tout là-haut. Un Korogu. On va voir ça. Alors que me caches-tu, caillou? Rien du tout. Hop là. Rien ne nous résiste. Oh. Bah voilà. On a trouvé le mec. Je peux t'aider? C'est quoi ton nom? Chantier. Ça te fait une belle jambe, hein? Pourquoi tu me demandes ça? Un nom, y est. Oui. Je travaille là. Si tu veux qu'on parle tranquillement, attends la nuit. Pas de problème, mon gars. Ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est quoi ton nom? Mortier. Un nom en yé aussi? Ouais. T'es fort toi? Ouais, je suis très fort. Mais mon grand frère, Chantier, est encore plus fort. Ses muscles, ils sont même en acier. Eh bien, venez, venez, j'ai du travail pour vous. Voilà, il est posé. Tu peux pas me laisser tranquille pendant que je me repose? Bon, quoi? T'es qui? Chantier. J'aimerais bien que tu t'en souviennes. Je travaille comme mineur, comme tu peux le voir. Tous les jours, je mine, mais j'en peux plus de ce travail. Je crois que je ne suis pas fait pour travailler ici. Tu connaîtrais pas un autre emploi dans lequel je pourrais mettre ma force à contribution? Si! Hein? Tu en connais un? Où ça? Dis-moi plus. Au village 2-0. Le village 2-0? J'ai jamais entendu parler, dis-moi plus. Ah oui, Akala, Au village 2-0? On a besoin de moi là-bas? Akala, c'est pas très loin d'ici. Ah, allez, faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Merci de m'avoir parlé de ce village. Je pars de ce pas avec Mortier.
C'est décidé. Mortier, on y va. Quoi? Et voilà. La quête a dû avancer. Du coup, on a le fan des lézards. Mais ouais, je pense qu'on va aller rejoindre... Enfin, on va aller voir les jeunes Nox. Vu qu'elles sont à côté, elles sont juste ici. Il y a de quoi bien s'enrichir. Voilà. Moult jeunes Nox, ça nous en fait déjà 4. On doit en avoir une dizaine là. Et hop. 11 jeunes Nox, donc ça nous fait déjà un diamant. Ça va très vite. Peut-être que là il y en a un petit peu plus, non? Non, il n'y a pas un petit diamant qui traîne. Je suis pas à côté de l'étang de mon machin là. Peut-être que je pourrais aller voir le frère de l'autre Goron. Non, j'ai pas l'impression qu'il soit là. C'est l'étang de Morc qui voulait, non? Non, l'étang de Marpeau. Donc c'est assez loin. Ouais, on verra ça plus tard. Du coup, je vais aller me TP. Laissez-moi réfléchir. À Elimite. D'abord. Ah, il y avait d'autres jeunes Nox là-bas. Zut. Bon, après, c'est pas dramatique, mais... Voilà, donc je vais améliorer mes modules. Bonsoir. Tu m'as apporté des matériaux antiques? Oui. Oh, alors tu veux que j'améliore quel module? Le Cinétis. Le Cinétis? Bon choix. Il va me falloir 3 cœurs antiques. C'est parti. Alors, il va me falloir 3 tout petits cœurs antiques. T'as ça pour moi? Oui, Titi. Ça marche, merci bien. C'est parti, mon kiki. Donnons un petit boost à ton Cinétis. Déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Tablette check est reconnue. Processus d'amélioration du Cinétis initialisé. Cinétis Plus fige les objets dans leur propre espace-temps. Cette version améliorée peut également figer les ennemis. En frappant les objets figés, il est possible de les charger d'énergie cinétique. L'énergie accumulée peut être utilisée pour déplacer les objets de grande taille. Ok, maintenant les Moblins et Bokoblins, je peux les figer. J'ai déjà les cinétisé. Yeah, voilà le travail. Bravo ma grande, tu as été très courageuse. Ça c'est une bonne pierre guide, maman est fière de toi. Oh, oh là là! Me dis pas que tu as déjà tout amélioré. C'est génial, t'as de la bête Sheikah en poche et avec ton talent à l'épée, tu peux venir à bout de n'importe qui. Ganon peut rentrer chez sa mère. Ok, la porte s'est fermée sur mon nez. Ouais. Bah, du coup, j'ai rien de plus à faire ici, j'ai pas assez de rubis. Ah si, j'ai peut-être assez de rubis. Je vais juste rentrer à ma maison. Rentrer à ma maison. Pour voir ça. Ah bah non, ils sont pas là, les autres zigotos là. Euh...
Oui, il y a le marchand qui dort aussi. Bon, bah, je vais vous laisser là, du coup, pour cet épisode. On verra ce qu'on fera en prochain épisode. On fera sûrement la suite des quêtes dans les Gorons. Peut-être on ira voir leur boss. Sur ce, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre Let's Play sur Zelda Breath of the Wild. Et d'ici là, à la prochaine!